C'est à quelques mètres de sa fameuse place des grands hommes, dans un lycée qu'il connaît mieux que personne, qu'on s'était donné rendez-vous. Lui qui, avec sa voix cassée, s'est offert un palmarès de tubes indémodables et des tournées triomphantes. Jusqu'à devenir l'idole de plusieurs générations. Si aujourd'hui, à 63 ans, Patrick Bruel redoute le temps qui passe, son succès, lui, reste et dure depuis plus de 40 ans. Bonsoir et merci pour tout. Bon Patrick, vous recevoir ici à Henri IV, ça vous rappelle des choses, j'imagine. Ah oui, de belles choses, vraiment. Vous étiez collège et lycée ? Oui. C'était un lycée et c'est toujours peut-être le meilleur ou le plus difficile, on dit, c'est le niveau plus haut de France. Oui. Considéré comme comme le meilleur lycée de France, mais enfin, comme quoi c'est pas une science exacte. Hein, je vous en prie. C'est la première fois qu'on se fait un 5 dates dans 50 minutes inside. C'est un plaisir. Pour moi aussi. On entend le brouhaha, là, c'est la récréation. Oui, c'est au changement de cours. Là. Vous rêviez de quoi à leur âge ? D'avoir une grande carrière comme la vôtre ? Ou vous autorisiez ce rêve ? C'est à partir de 15 ans que je commence à avoir envie d'aller dans la musique, dans la chanson, ouais. Chanter. Et en même temps, il y a les études qui s'offrent à moi, la possibilité peut-être, penser à être médecin, à être avocat. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de revenir dans ce lycée qui m'a évidemment apporté beaucoup. Un établissement qui lui a surtout inspiré l'un de ses plus grands tubes. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même port. Dans Place des grands hommes, sorti en 1989, Patrick Bruel rend hommage à ses années lycée sur les marches de la place des grands hommes et donne rendez-vous à sa bande d'amis de l'époque qu'il a d'ailleurs convié au tournage du clip. La belle Séverine me regardera-t-elle ? C'est tellement émouvant ce clip parce que ce sont des amis, certains sont acteurs, certains ne sont pas, certains faisaient partie de la bande. Ce matin-là, ça a été un rendez-vous assez magique. On avait des choses à se dire ? Oui, une envie de se raconter, d'évoquer le passé, d'évoquer le présent, d'évoquer peut-être le futur. Ça a duré plus longtemps que prévu. C'était chouette. On était plutôt fiers les uns des autres, on était contents. Et cette histoire continue, on continue à se voir, on continue à s'appeler. C'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pas. On verra quand on aura 30 ans, si on est devenu des grands hommes. On vous la chante encore. Ah ben la chanson est devenue vraiment universelle, c'est très très touchant. Oui. Les tubes, Patrick Bruel va les enchaîner cette année-là. Un succès fulgurant qui donne naissance à la Bruel Mania. Et des refrains célèbres qui font de lui l'un des chanteurs français les plus populaires. Ce lien avec son public, le chanteur l'a aussi tissé grâce au cinéma. Est-ce que vous avez des idées de prénoms ? Oui. Ah ! On en a même une assez précise. Oh. On peut savoir ? Ah, devinez. Sorti en salle en 2012, Le Prénom reste, avec plus de 4 millions d'entrées de spectateurs, son plus gros succès sur grand écran. Un rôle pour lequel il a même reçu une nomination pour le César du meilleur acteur. Il faut chercher ses références, ses goûts, ce qu'il aime. C'est con que Rolex soit pas un prénom. Quel carton. Ah oui, quel bonheur. Film culte. Quelle fierté. Il n'y a pas une journée où on ne parle pas du prénom, franchement. Ah oui, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est magique, c'est une histoire magique pendant 3 ans. De la première lecture, où on ne peut pas terminer une phrase tellement on rit, où les auteurs sont un peu sidérés, à l'arrivée au film. Mais ça a été merveilleux. Ça restera une des plus belles aventures professionnelles et humaines de ma vie, vraiment. Vous avez réussi votre vie, Patrick ? J'ai plus réussi que pas réussi. D'avoir beaucoup plus de bons moments que de mauvais fait que, oui, on a l'impression qu'on a touché du doigt un peu le bonheur et surtout, sans jamais perdre de vue l'immense privilège qui m'a été donné de pouvoir entreprendre, faire des choses, avancer, être tout le temps en mouvement. Il y en avait un qui était comme ça aussi, c'était Johnny.
ouais. tout le temps se réinventer, trouver un autre chemin. Jusqu'au bout, vous l'avez accompagné. Et ouais. le jour du grand salut, vous étiez là aussi, à la Madeleine. Ah. Mon Johnny, c'est la nuit à Los Angeles. 9 décembre 2017, quelques jours après le décès de son ami Johnny Hallyday, Patrick Bruel lui rendait un dernier hommage lors de la cérémonie organisée en l'église de la Madeleine. Je t'ai aimé comme un grand frère. J'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Nos échanges, nos fous rires, tes conseils, nos duos, tellement de duos, je n'arrive même pas à les compter. Comme des millions de gens que je t'aime. J'ai pas revu ces images. Enfin, j'avais écrit ça dans la nuit quand il est parti. Et le lendemain, j'ai pris l'avion. Et je pensais pas dire ce texte publiquement. Je l'ai montré à la famille. Et on m'a dit, mais il faut impérativement le lire demain. C'était émouvant, cet adieu. C'était fort. Tous ces gens. C'était fou. Ces milliers. C'était fou, 2 millions de personnes. Ouais. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la vie de Johnny ? Johnny, ça dit la volonté, ça dit la persévérance, ça dit le travail, ça dit l'envie. Il n'y a pas un mot qui résume mieux que ce que Jean-Jacques a écrit, l'envie d'avoir envie. Si les deux hommes ont partagé de nombreux duos, ils partageaient aussi leur amour pour les États-Unis et étaient même voisins à Los Angeles, où Patrick Bruel vit une partie de l'année pour voir ses enfants. Vous allez souvent aux États-Unis car vos enfants vivent là-bas avec leur maman. Ils veulent devenir artistes, les vôtres, ou pas ? Ou c'est trop tôt ? Oui, c'est trop tôt. Pour l'instant, il y en a un qui est en terminale, celui de 17 ans, puis celui qui a 19 ans, et en troisième année de médecine en neurologie. Vous les emmenez ici ? En Provence ? Il passe du temps en Provence ? Bien sûr. Depuis 2006, c'est au milieu des oliviers du sud de la France, à Lille-sur-la-Sorgue, que le chanteur a trouvé refuge. C'est la chance d'être plus près de la nature, dans un cadre magnifique. Il y a 2 ans, il nous avait ouvert les portes de ce domaine baptisé Léos. Un clin d'œil au prénom de ses 2 fils, Léon et Oscar. En ce qui me concerne, né en Algérie, ayant vécu en région parisienne, le centre de mon monde, c'était vraiment la Provence. C'était en plein milieu. Donc après y avoir passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, j'ai décidé un jour d'y planter la tente. Et c'est devenu la maison de famille, c'est la maison des enfants, de leurs copains, de ma famille, de mes amis. C'est l'endroit où on se réunit. C'est une région extraordinaire. Vous avez 45 années de métier. Ah ouais ? Ouais. 45 ? Ouais. Waouh ! Vous avez encore le même feu ? Vous avez encore la même appréhension ? Ben encore plus. Vraiment ? Encore plus le feu, encore plus d'appréhension. Parce qu'à chaque fois, de se dire, est-ce que ça va être aussi bien ? Est-ce que ça va être aussi fort ? La première et la dernière fois, on recommence. Est-ce que ma proposition va intéresser ? J'arrive avec un nouvel album. Là, aujourd'hui, je suis heureux de ça. Un 11e album intitulé Encore une fois, et dans lequel il explore des thèmes intimes, comme l'absence du père. Parti du foyer familial, lorsqu'il n'avait qu'un an. Avec mon père, les choses se sont joliment arrangées et réglées dès la naissance de mon premier enfant. Ça fait donc quasiment 20 ans maintenant que j'ai retrouvé mon père et que mes enfants ont découvert un grand-père. Est-ce qu'on essaie d'être meilleur père que son propre père ? On fait de son mieux. En ce qui me concerne, j'ai pas forcément de schéma à reproduire, donc j'ai avancé dans le bleu, dans le bleu des yeux de mon premier enfant. Et mon deuxième enfant. En tout cas, j'ai la sensation qu'on réussit quelque chose avec leur maman. On a réussi quelque chose de très fort. Pour terminer, Patrick, j'aime bien montrer une photo de l'invité enfant. Regardez. Vous avez quel âge, là ? Oh. Elle est mignonne, cette photo, quand même. Ce petit strabisme-là. Je dois avoir, je sais pas, 4 ans, non ? Qu'est-ce que vous voulez lui dire, ce gamin ? Y a 2 solutions. Hein. Soit on se prend dans les bras... Et on se dit, on a rempli le contrat, soit il me met une claque en disant tu m'as trahi. C'est ça. Et je crois qu'on a rempli le contrat de faire de son mieux, de jamais écraser personne pour réussir, de savoir qu'on a transmis
qu'on transmet, qu'on transmettra encore. Merci pour cet entretien, Patrick. Bah, merci à vous, vraiment. On se fait une petite photo ? Avec plaisir. Je ne suis venu que pour ça. Encore une fois, encore plus fort, on se dit... Lève un peu le visage. Regarde vers la lumière, Patrick. Ouais, c'est bien. Juste les yeux vers moi. Le visage est bien. Voilà. On est bien. C'est plus fort que toi et moi. C'est maintenant et c'est là.